je te revois, je te vois et toi, mais plus comme autrefois. Auparavant. Ça suffit. Hein? Tu dis quoi? J'ai dit tu me prends vraiment pour une idiote. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu sais très bien de quoi je vais parler. Je ne vois rien du tout. Moi, je ne suis pas un magicien. Menteur. Tu passais par là? Mais garçon, tu sais mentir. Mentir? Moi, mentir? J'ai la tête d'un menteur? C'est plutôt vous les femmes qui savez bien mentir. Ne renverse pas la situation. J'étais joyeux. Tu ne m'as rien dit du tout. Je t'ai pourtant bien expliqué. J'ai passé dans le quartier pour aller chez un client. J'ai vu ta moto garée devant le salon. Je suis entré. C'est tout. C'est pourtant simple comme un bonjour. Où est-ce que tu veux en venir, Fanta? Tu sais très bien de quoi je vais parler. Et puis ce n'est pas à moi que tu t'es adressé en entrant. Ah bon? De qui veux-tu que ce soit? Tu as dit, alors ma chérie, de meilleure humeur. Oui? Et alors? Tu n'es pas la mère de mes enfants? T'es pas la mère à Dani et Vali? Où as-tu vu que j'étais de mauvaise humeur? Hein? Et puis tu n'as pas l'habitude de me dire chérie. Alors, arrête de mentir. Ça suffit comme ça. J'ai assez entendu Daniel pour ce matin. Je vais jouer au boule avec Pierre. Garçon, tu n'as rien entendu encore. Tu m'entends? Père de famille inconscient. Merci. L'argent que tu dilapides dehors, tu t'amuses avec l'avenir de mes enfants. Ce sont mes enfants, moi aussi. Dieu te voit. Dieu va te payer. Merci. Ingrat. Il nous voit tous. Regarde-moi ça. Tu peux partir. Mais nous n'avons pas fini. Pour moi, ce sujet est clos. Et même scellé. Voilà. On verra. Tu n'as rien dit d'abord. Merci, c'est chaud. Tu n'as pas honte. Et toi, où vas-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes d'être déjà debout à pareil moment. Maman, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Ce n'est sûrement pas pour aller chercher du travail. Fainéante là. Et pourquoi pas? Un samedi matin? Ah, maman, s'il te plaît, ne renverse pas ta colère sur moi. C'est quoi toutes ces questions-là? Ton père et toi, vous êtes pareil, oui. Laisse-moi tranquille, j'ai rendez-vous avec ma fille. Mal éduqué là. Parfois. Va laisser à moi que tu t'adresses. Hein? Si ton papa t'a gradé commandant, tu iras réclamer les impôts avec lui. Tu m'entends? Ne tu sais rien que maman va boire à caminer. Je t'assure que tu vas plus recommencer. Ah, la couvre. Fabien Dusukasi, Demin Dusukasi. Ha! Vous allez revenir me trouver ici. Je vous attends de pied ferme. Avec un mien qui est encore ébi. Niti Dusukasi d'aïe. Ha! Bonjour madame. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Vous cherchez quelqu'un? Oui, oui. Je cherche la porte de chez Jeanne. C'est bien dans la cour ici, non? C'est la porte là, mais elle n'est pas encore sortie. Ah, ok. Merci bien madame. Bonjour et surprise. Tu parles d'une surprise. Venir me réveiller. Eh, hey, Jeanne, il est déjà 8h30. Hein? Et alors? Il est samedi là. Moi, je dors jusqu'à 10h normalement. Et puis, vous cherchez quelqu'un ici? Oui, vous-même. Moi? Oui. Vous êtes venu avec madame? Avec madame? Qu'est-ce que madame a voir là-dedans? Parce que normalement, un homme marié doit sortir avec sa femme, surtout un samedi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, mais... Hey, mais quoi? Allez vite la rejoindre là, je suis sûre qu'elle vous attend. Allez! Oh, vous venez gâter le sommeil des gens comme ça. Alors la Baïse, on dirait que ça va pour toi de... Qu'est-ce qui te fait dire cela? Hein? Et puis d'ailleurs, en quoi ça te regarde? Espèce de vieille rapporteuse là. Non, comme je vois que tu as de la visite. Hein, toi tu n'as jamais de visite toi, hein? Yeah, si mon mari me voit parler avec un homme, je suis mort. Automatiquement c'est la porte directe. Écoute-moi très bien, rapporteuse.
Hein? Si jamais, écoute bien, si jamais je te reprends encore dans ma propre cour, à te mêler de ce qui ne te regarde pas, c'est la porte directe. Je te vide. Oh, Jaïri. Je ne sais même pas ce que celui-là lui trouve. Oui, entrez. Hé, Fanta, oui. Bonne arrivée. Merci, Mariam. Tu vas bien? Oui, ça va. J'allais passer chez toi aujourd'hui même. Non, ne te fatigue pas. Je sais que c'est faux. Je ne suis pas là pour ça. Bon, ça me rassure. Mais tu es matinale. Tu trouves? Oui. Tu sortais? Nous, les femmes, nous avons toujours des besoins. C'est vrai, tu as raison. Tu étais de passage, ou bien tu venais me voir? Attends, je vais te... Je disais, tu avais besoin de quelque chose? Oui, je voulais te proposer un marché. Un marché? Oui. Je soupçonne mon mari d'avoir une relation avec une coiffeuse. Hey, toi, tu vas mieux. Moi, je soupçonne le mien depuis longtemps d'avoir des relations avec plusieurs. Plusieurs coiffeuses? Comment plusieurs coiffeuses? J'ai dit plusieurs n'importe quoi. Ah, ces hommes! Ils vont nous rendre folles. Tu disais où? Tu voulais quelque chose? Ou bien c'est un marché que tu veux me proposer? En échange de la moitié de l'argent que tu dois à la tontine, je voudrais que tu ailles là-bas te coiffer de temps en temps. Ah, mais ça c'est un bon deal. C'est tout. Oui. Elle ne va pas trouver ça bizarre si je vais là-bas sans arrêt me faire changer de coiffure. Qui t'a dit de changer de coiffure? Tu vas juste te coiffer? Et puis tu trouves quelque chose à chaque occasion? Je comprends. Oui. Mais oh, se faire coiffer là, c'est tout de même 1000 à 2000 francs là. Ah, d'accord. Attends. Tiens, tu dis. Merci beaucoup. Je vais passer là-bas aujourd'hui même. Sûrement c'est fermé. Tu vas là-bas mardi. Tu y vas vers 12 heures. On dirait que c'est son heure. Ah, donc elle n'ouvre qu'à partir de midi. Mais non, Bécasse, je parle de mon mari. Faut pas m'insulter, d'ailleurs. Faut pas m'insulter. D'accord, ça marche. Je t'écoute. Je vais t'expliquer. Tu es bien sapé ce matin, hein? Tu dois aller quelque part. Qu'est-ce que tu dis? Toi, là, tu es bizarre ce matin. Quoi? Allez. Regarde, on dirait que c'est lui. Tu peux me laisser seule. Bonjour, comment vont ces jolies demoiselles? Bonne arrivée. Merci, on dit quoi ce matin? Il a la forme? Tout va bien. Dis, tu vas pas m'inviter quelque part? Pourquoi pas? Surtout que vous êtes toutes jolies et super sapées. Et toi, tu viens avec nous? Malheureusement, je travaille jusqu'à 18h. Ah bon? Dans ce cas, ce n'est pas mieux que l'on se fixe rendez-vous ce soir comme elle est super occupée. Non, non, ce n'est pas la peine. Puis ce soir, moi, je n'ai pas le temps. C'est mieux tout de suite. Nous n'allons pas quand même laisser ta copine toute seule. Dans ce cas, vous m'attendez ici toutes les deux. Je vais aller juste à côté chercher 3 petites bouteilles de coca et nous allons le boire ensemble ici même. Je reviens. Les gars, ce matin, j'ai remis le spot à la radio pour être diffusé. Ça doit passer à 10h. Mais ils t'ont dit le prix? Oui, comme c'est entre nous, j'ai pu négocier ça à 15 000 francs. Ça donne 4 diffusions jour. Et voici la facture. Eux aussi. Ils auraient pu faire ça cadeau. Hein? Cadeau? Toi aussi, tu déconnes. Hein? Tu penses que c'est la radio de Baba Noël? Tiens, c'est l'heure là. Tu as un poste radio, on va l'écouter. J'arrive. Et Samy, t'as dit à Moustique de venir? Oui, oui, oui. Il m'a dit qu'il finissait à 10h, mais il va arriver. Ok, ok. Mais dis-moi, j'espère que la pub va bien marcher. Hein? Oh, t'inquiète. Tu vas voir comment les gens vont défiler ici.
Mais c'est que je me demande si c'était une bonne idée de donner l'adresse ici. Nos petites annonces journalières. La société de Bollywood, nouvellement installée à Bobo, organise un casting en vue du tournage d'un long métrage. Toute personne intéressée qui désire jouer un rôle dans cette grande production peut se rendre à partir de lundi matin à l'adresse que voici. Secteur 5, numéro 264, juste derrière l'école La Réussite. Une sélection sera organisée. Venez nombreux. Nous continuons par... Ah, mon gars, non, il n'y a rien à dire. Tu es bon. Un vrai pro. Il n'y a rien à dire, un vrai pro. Vous aussi. Pardon, là. Je ne me trouve pas si terrible que ça. Non, mais laisse-nous te dire que c'est bon. C'est bon. Il n'y a rien à dire, c'est bon. C'est seulement bon, simplement bon. Bon, maintenant, nous n'avons pas encore fait la liste des acteurs dont nous allons avoir besoin. Non, moi, j'ai déjà commencé à le faire. Écoute, j'ai fait une liste des acteurs principaux. Tiens, regarde. Danny, c'est pas un peu trop? Avec quel argent allons-nous payer tout ce monde? Douglas, toi aussi. Nous avons à peu près 2 millions. Mais c'est pas petit, ça. Hein? Chut, les gars, Moustique arrive. Pas d'histoire d'argent devant Moustique, ok? Ok. D'accord. Alors, les gars, ça va? Oui. Mmh. Ça va? Ah, d'accord. Et chez toi, ça va? Oui, ça va, ça va. Comme tu le vois ici, c'est court-ci, court-ça. Hein? Ah bon, hein? Dani, dis-moi, quand comptes-tu avoir les fonds, les bougnacs, quoi, je veux dire? Il faut qu'on commence. Moi, je suis trop pressé, moi. Ciao, Valée. Maudibo, tu m'as fait peur. Tu prends de l'air, non? Si on veut. Joli go. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Oh, je vais très bien. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es bien. C'est quand même rare de nos jours de voir quelqu'un qui dit qu'il va très bien. Il n'a pas de problème. Oh, Valée, tu sais, c'est la vie. Dis-moi, on dirait que c'est Apolline qui rit comme ça. Hein? Oui, oui, c'est bien, hein? Qu'est-ce qui l'a fait rire de la sorte? Ah, franchement, moi-même, je ne sais pas. Et puis, elle rigole comme ça à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? Ok, je viens quoi? Hey, dis-moi, Modibo, tu ne vas pas m'inviter à prendre un petit coca quelque part là? Un petit coca? D'accord, mais je vais d'abord dire bonjour à Pauline. Sinon, tu la connais. Reste là. Attends, si tu as peur de quoi? Hein? Non, non. De toute façon, on revient bientôt là. Tu pourras aller lui dire bonjour. Tu es pressé pourquoi? Bon, on ne dure pas, hein? Non, non, moi-même, j'ai pas beaucoup de temps. On revient tout de suite, là. D'accord, allons-y. Laisse Apolline. Non. Ah, Modibo, tu as trop peur. C'est pas ça, mais c'est que... Il faut me comprendre. Pour le rôle principal, là, je veux parler de la fille. Moi, je verrais bien Valérie, hein? Valérie? Non, 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 ça ne joue pas physiquement, là. Toi, tu ne vois pas. Au contraire, tu ne vois pas comme elle est mince, comme si elle avait le sida. Eh, hey, c'est plus quand on est mince que les gens disent que tu as le sida. Hein? C'est le contraire maintenant. C'est quand tu grossis que les gens disent que tu as le sida. Quand tu prends les ARV là, ça fait grossir. Ah oui. Samy, tu n'es pas en train de grossir par hasard? Imbécile là. Eh, bélébélé, banflé. Regarde, tu vas me connaître si jamais hey, tu. Oh, t'en... écoutez là, soyez sérieux là. C'est vrai, hein? Quand il s'agit de beaucoup de millions, il faut être plus sérieux. N'est-ce pas, Danny? Hein? Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Si on ne trouve personne pour jouer le rôle de la fille, on demandera à ma soeur. Présentement, elle ne fout rien. Elle peut bien le faire. Non? Il y a un point. Hein? Mm. Moi, il me faut un éclairagiste et puis un perchman. Mm-hmm. Voilà. Oui, mais le sang, c'est mon boulot, donc la perche, moi, je peux la faire. Uh-huh. Oui, ok. Il n'y a pas de problème. Je vais demander à l'éclairagiste du centre culturel. Il s'appelle comment déjà Tu veux parler de Ado? Voilà, Ado. Il paraît que c'est un très très bon éclairagiste. Ok, d'accord pour Ado. Il y a aussi... Oh, pardon, Moustique, calme-toi. Hein? Pour un début, c'est déjà pas mal. C'est bon comme ça. Hein? Tout compte fait, tu as raison. Trop de monde là.
Ça diminue les parts. Voilà, tu as très bien compris. Ouais. D'accord, je dépose la radio puis j'arrive. Okay. Ça marche. Vu? J'ai vu quoi? Mais c'est la chance, c'est tout. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Qu'est-ce que tu vas chercher par là? Je ne sais pas. D'habitude, quand on joue, tu n'es pas de mauvaise humeur. Écoute, Gaston, qui t'a dit que moi je suis de mauvaise humeur? Qui t'a dit ça? Ok, ça va. Vas-y, tu restes une boule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Tu as gagné, c'est tout. Vas-y, tu as peur? Non, c'est bon. On va aller boire une bière, c'est bon. C'est bon. Ah. Non, non, c'est bon. C'est pas clair. Je finirai par le savoir. Il y a quelque chose. Inch'Allah. Tu vois, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que ta copine était toute insolente à ton égard comme ça? Tu ne veux pas que nous sortons ensemble? Non. Tu es toute jolie là. Je t'adore. Tu vois? Là, 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 là. Je t'adore. C'est pourquoi on attendait Eric comme des villageois. Hein? C'est de qui tu veux parler? Et d'ailleurs, même, c'est qui c'est Géoula? Mais hein? Sois pour lui là. Hein? Il s'appelle. Étienne. Ouais, Étienne, moi c'est Modibo. Celle-là, c'est Mago. Si tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vois, je vais partir, à bientôt. C'est ça, il faut partir. À bientôt, à jamais. Villageois, là, you doublé comme ça. Tu m'as pitié d'être aussi villageois, hein? Il ne t'a rien fait, là. Pour l'instant. Bon, écoutez, moi je vais partir. Modibo, tu m'as. Ok, c'est mieux. Hé, toi tu restes ici, hein? De quoi tu as peur? Moi je suis pas comme toi, hein? Comme toi, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, je me comprends. C'est ça, au revoir. Hey, Gaston. Gaston, dis-moi, ta secrétaire, elle a quelqu'un, non? C'est quelle question? Et c'est ce qui te fait rire. Attends, je voulais te poser la question à savoir, elle a un Jules? Et Pierre, tu es de la police? Il faut aller lui demander. Oh, Gaston. C'est toi son patron. Tu dois en savoir davantage sur elle. Justement, c'est ma secrétaire. Oui. Ça, c'est professionnel. Sa vie privée, je ne la gère pas. D'accord? Ah, je comprends. Attends, tu comprends quoi? C'est pour cette raison que tu étais de mauvaise humeur. Tu as essayé de... Attends, j'ai essayé de faire quoi? Attends. Hé, Gaston, faut pas te foutre de moi. Quand on ne sait pas quelque chose, on se tait. Tu bois ton coca et tu la fermes. Ça, c'est quelle affaire, ça? Toi, t'es pas clair. Pierre! Putain. Pierre. Le lundi, nous allons commencer à sélectionner ceux et celles qui pourront jouer. Mais dis-moi, comment tu comptes faire? Ben, je sais pas. On prendra les plus dégourdis. Ou bien? Ou bien? Danilo, chez toi, là, dégourdis, ça veut dire quoi? Bon, nous allons prendre ceux qui s'expriment le mieux et qui seront à l'aise sur le plateau. Si vous voulez que nous fassions un bon boulot, hein, c'est mieux de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, un metteur en scène. Metteur en scène? Oui. Moi, je pense que Moustique a raison. Hein. Comme ça, ce serait vraiment mieux, quoi. Est-ce que vous en connaissez un et qui va accepter de travailler pour nous gratuitement? Bon, moi j'en connais, mais gratuitement là... Ben, pourquoi ne pas essayer voir? Ok, je vais lui en parler. Je vais lui demander de passer ici lundi matin. D'accord. Ouais. Non, les gars, c'est très bien. C'est très bien. D'abord, un réalisateur, un caméraman, un éclairagiste, un peneur de son, et ensuite quoi? Un metteur en scène. Vraiment, les faux techniciens jaloux vont maigrir. Man, tu as raison. On va leur faire savoir qu'ici, à Bobo, là, il y a des bons. Il est l'heure du porc au four, là. Vous dites quoi? Oui, c'est pas une raison pour oublier les bonnes choses. Ouais. Allons-y. J'allais dire ça. Allez. Les gars,
vais vous faire des nouveaux modèles de plans. Plan chinois, plan américain, même des plans indiens. Bonjour, nous venons pour le casting. Oui, c'est pour le casting.